C'est parfait, on va pouvoir continuer à charger. Et on en était resté la dernière fois devant les mines. Les mines de Bois-Monteau, oui, c'est ça. On va faire un petit Oui. dodo Oui, bien et on va sûr. rentrer. Ça commence fort. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Au nom du bouclier de On a Tempus, du monde ce corps à serviteur de corps. Dame Nature attend. Vos désirs sont des ordres. Oui, à vos ordres. Avez-vous besoin de mes... Je ferai de mon mieux. De toute façon, ils sont en train de viser Balouen, donc on Maintenant peut que attaquer se de loin. Je rappelle qu'on doit enquêter dans la mine. Car elle recèle une bande de brigands nommés Trône de Fer. Et que ces salauds ont décidé de nous faire la peau et également de foutre le bordel dans toute la région, sachant qu'on est au sud de la porte de Baldur, hein. Entre la porte de Baldur et la région qu'on appelle Amna. Et c'est un petit peu pourquoi le 2 s'appellera Shadows of Amna. Car dans le 2, et maintenant, on jouera dans la ville d'Adkatla et pas dans la ville de Baldur's Gate. Adkatla qui est une ville principale oui. De l'âme, justement. Tâche facile. Et alors, je lui ai frappé la tête jusqu'à ce qu'il crève. Par pitié, ne me tuez pas, je vous dirai où se trouvent les mines. Oui, je le ferai si vous me laissez la vie sauve. L'entrée se trouve à l'intérieur du camp, retranché à l'est. Pitié, laissez-moi vivre. Ok, en fait, c'est pas là les mines. Ok, je vais complètement zapper. Quoi ? C'était de l'autre côté du pont. Espèce de petit pont bizarre qu'on a vu l'autre jour. Idéal pour mourir. Alors, tout est verrouillé. Ça tombe bien, on a récupéré notre magicien, notre voleur. J'en ai assez. Elle a quasiment tout ouvert, sauf celui-là. Alors plus compliqué. On n'y arrive pas, tant pis, c'est pas grave. Pour essayer de forcer avec un bourrin. Pas sûr que ça marche. Au nom, journée idéale pour mourir. Vous n'avez pas réussi à forcer la serrure. Bon, tant Et maintenant pis. Que c'est une tâche facile. Eh bien donc. Oui, bien sûr. Comme on n'est pas au bon endroit, on va continuer. Oui, bien sûr. C'est là, de l'autre côté de cette espèce de pont suspendu. Vos journées idéales pour mourir. Et maintenant, où? Oui, bien sûr. C'est quoi ça? Garde, ok. C'est fait. Alors, on a gagné des bottes l'autre jour qui augmentent la vitesse de déplacement. C'est vraiment la vitesse de déplacement, c'est pas la vitesse d'attaque. Hein. Donc, c'est très bien. C'est pas non plus génial. Voilà, l'entrée des mines est là. Normalement. Ok, il y a encore des gardes, ce qui Tempus, est normal. Accordez-nous la victoire. Tempus, oh, mais n'y est pas vraiment. Les gros bourrins. Oui, bien sûr. Là, il n'y a rien. Ici, il y a un coffre. Regardez s'il n'y a pas de piège. Elle n'arrive pas à ouvrir. Il faudrait qu'elle améliore son crochetage, hein, quand même. Bonjour. Si c'est la volonté de Tempus. Oui, une tâche Parce facile. Parce qu'on n'ouvre quasiment rien. Au nom du Barlalam toute puissante de Valkyr. Et là on a un mont de charge qui nous permet donc que vous voulez de rejoindre la mine.
Et maintenant où? Je crois que dans ces mines-là, il y a un, au moins un, si c'est pas une deux. Une tâche facile. Je les déteste. Ces femmelettes du point enflammé. Améliore les caracs. C'est vous, les voyants, qui démantelez nos opérations minières. Ben, vous avez... Ben, vous avez sonné à la mauvaise porte, les jeunes. Moi, je suis un sale vicieux et vous allez sentir passer votre douleur. Ils sont pas fous, les gens, à m'attaquer tout seul, franchement. Ils sont tarés. Hein. Ils veulent juste mourir. Ah, un mineur. Garde, garde, Anderson dit du mal de Davehorn. Attendez, vous n'êtes pas la garde. À moi, garde, garde. Alors, si lui dit du mal de Davehorn, alors que c'est notre ennemi principal, on va aller lui parler. Il existe deux raisons pour lesquelles je vous concasse ces roches. Vous voulez les connaître? D'abord parce que j'imagine que ces roches sont le crâne de mon ravisseur. Ensuite, parce que la maigre étincelle que je crée la seule lumière qui m'est donnée de voir. Tout nouvel esclave apprend ces simples vérités bien assez vite. Ce ne sont pas des membres des griffes noires. De cet enfer. Donc et on comprend alors, qu'il y a des esclaves. La tête jusqu'à ce qu'ils crèvent. Alors vous êtes qui les gars? Vous êtes là pour acheter du fer ou quoi? Puisque vous êtes là, vous pourriez peut-être me donner quelques petits conseils. Ma femme n'arrête pas de se plaindre ces derniers temps à cause de notre vie nocturne. Avec tout le stress et les ennuis ces jours-ci, j'ai perdu un peu la forme, si vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi par les neuf enfers nous posez-vous une telle question? Désolé, nous n'avons rien à vous conseiller. Vous devriez peut-être aller prendre l'air, c'est peut-être l'effet des émanations des mines. Hé, je vous reconnais, vous êtes les gars qui se met la pagaille, rendez-vous! Pour ceux qui ont péri! Allez, bande mou. Alors là, il y a le bouchon de la mine. Et lui, il a un slip rouge, donc il est différent des autres. Si vous me libérez, messieurs, je vous dirai comment faire exploser cette mine à la tête de ces crétins d'esclavagistes. Sauvez-moi! Je vous explique. Oh putain, cette voix! Vous avez entendu, sauvez-moi! Ça me fait penser à un truc, ceux qui ont joué à Baldur's Gate 2 sont au courant. Voilà, je vous explique. Pour avoir ces idiots, rien de plus simple. Ici, à côté de moi, il y a un bouchon en acier qui retient la rivière à la surface. Il suffirait de l'ouvrir et toute la mine serait noyée. Mais le maître des mines est le seul à détenir la clé permettant d'ouvrir ce bouchon. Et c'est un sale type. Si vous m'apportiez la clé, je pourrais m'en servir pour inonder la mine. Comment avez-vous appris à faire fonctionner cette clé? Si on trouve ce maître des mines, on vous le ramène. Il y a un nain au second niveau de la mine. Il s'appelle Yeslik. C'est le dernier survivant du clan qui vivait ici autrefois. Menacé de mort, il a conçu le bouchon pour le maître des mines. J'ai parlé avec lui la dernière fois que j'étais en cellule pour mauvaise conduite. D'accord. Parfait. Si vous n'avez pas encore été au niveau inférieur, essayez de trouver un homme du nom de Ril. C'est un excellent ami à moi. Il devrait pouvoir trouver un plan pour réussir à mettre tous les esclaves en sécurité. Sauvez-moi, cher monsieur. Très bien. S'il vous plaît, sauvez-moi. Sauvez-moi, cher monsieur. Pour la petite anecdote, ce dont je parlais dans Baldur's Gate 2, c'est à un moment, il y a un doppelganger qui nous dit la même chose. Sauvez-moi. Et puis quand vous l'aidez, au bout d'un moment... Il y a tellement d'endroits où j'aimerais être. Il vous saute à la gorge. Oh, un garde. Crève. J'étais un barde jadis, je connaissais toutes les chansons et je pouvais les chanter toutes si merveilleusement. La poussière a désormais étouffé ma belle gorge et mes poumons se sont flétris dans cet endroit trop froid. Que Davehorn et celui qui l'employait soient mille fois maudits. Bien. On va peut-être pas parler à chaque mineur, hein, parce que c'est un peu relou au bout d'un moment. Attends, on va parler à lui déjà. Ouais, bon, libérez-nous. Cet enfer. Je vais aller là pour faire les choses dans l'ordre. Vos désirs sont des ordres. Oui, bien sûr.
Bonjour, journée idéale pour mon. Normalement ici il n'y a pas de piège, hein, donc on peut venir à... Ah, lui il a un slip vert, on va voir ce que ça veut dire. Je pourrais faire le tour de l'intelligence de Nouris. Vous n'avez rien à faire dans ce secteur, on est où immédiatement? Nous n'en croyons rien. Et maintenant, que se passe-t-il? Stunk. Oh, une flèche t'a tué. Au nom du... Si c'est la volonté de Tempus. Khalid, 13 points de dégâts. Encore une bande de petits mercenaires, ben, ça me fait pas peur. J'en ai assez de travailler pour vous et vos seigneurs du trône de fer. Tuez-moi, ça m'est égal. Je pense que vous faites erreur. Nous ne sommes pas au service du trône de fer, nous avons l'intention de les renverser. Vous prenez pour un débile, allez vous faire voir. Je ne peux plus entendre toutes ces sornettes. Oh, ouais, ça va, tranquille avec ton slip vert là. Sortez-moi de cet enfer. Et maintenant, où? C'est fait. Vos désirs sont des ordres. Si c'est la volonté de Tempus. Sortez-moi. Sac. Oui. Une tâche facile. Bonjour. Journée idéale pour mourir. Cul de sac. Et maintenant, que se passe-t-il? Tempus, accordez-nous la victoire au nom du bouclier de Tempus. Et maintenant, où? Oui, bien sûr. Vos désirs, journée idéale pour mourir. Ne ressemblez pas aux gardes qui sont là habituellement pour surveiller la mine. C'est les nouveaux gros mercenaires de Daveorn. Dégagé. Non. Pourquoi il dit ça? Si vous voulez trouver Daveorn, vous feriez mieux de regarder au quatrième niveau. C'est un niveau secret, je crois, alors il sera difficile à trouver. Par la lame toute puissante de Valkyr. Oui, voilà pourquoi il faut un petit peu parler à tout le monde. Hein. Sortez-moi. Oui. Sortez-moi. Une tâche facile. De cet enfer. Au nom par la lame toute puissante de Valkyr. Un bouchon quelque part qui protège cette mine du torrent, trouvez-le et peut-être que vous pourrez faire en sorte que cet enfer ne soit plus qu'un souvenir humide. C'est la seule mine entre la porte de Baldur et l'âne qui produit encore du minerai, et bien que la méthode soit épouvantable. Je devrais inonder ces murs, mais nous en aurons peut-être besoin. Mm-hmm. Ah, donc c'est Daveorn hein, qui a la clé. Et maintenant, que se passe-t-il fait? Par la lame toute puissante de Valkyr. Ah, niveau 2 ici, donc on va d'abord aller finir de... C'est fait. D'explorer là. Parce qu'une fois qu'elle sera inondée, on pourra plus revenir. La lame vous coupera en morceaux. Bonjour. Par la lame toute puissante de Valkyr. Oh, sortez-moi. Sortez-moi de cet enfer. Oui, bien sûr. Mince, moi je voulais pas y aller avec lui, il marche trop lentement. Idéal pour mourir. Et maintenant, que se passe-t-il? Accordez-nous la victoire. Oui, bien sûr. Ma lame, vos désirs sont des ordres. Bonjour, j'ai si froid, je crois que je suis malade. Mes jambes me font tellement mal, et j'ai l'impression que ma poitrine va exploser. Je suis fini, apaiser mes souffrances. Bah, n'importe quoi. Peut-être le bonjour. Soigner d'ailleurs. Ça fait quoi si je fais ça? Journée idéale pour mourir. Ça n'a rien fait, dommage. Au nom de journée idéale pour mourir. Sortez-moi. Oui, c'est fait. Vos désirs sont des ordres. Journée idéale pour mourir. Bien, donc il n'y avait rien d'autre à trouver ici. J'espérais que je le croyais. C'est pas grave, on a tout vu. Ça c'est fait, il y a le bouchon là. Parfait.
monstre, il n'arrive pas à passer. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Je me doute. Ça commence bien. Alors ici, par contre, il peut éventuellement y avoir des pièges. Bonjour. Si c'est la volonté de Tempus. Là, ça est verrouillé. Oui, moi, je m'en vais. Crochetage réussi. Une journée idéale pour mourir. Oui, bien sûr. Ouh, il y a des cages ouvertes là. C'est chelou. Vos désirs, ah non, ce sont les prisons. D'accord. Aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous, s'il vous plaît. Elle a combien en charisme même? 13, bon, ça peut aller. Aidez-nous. Bon, s'il tous vous plaît. La même chose. Aidez-nous. Et maintenant, oui, bien s'il sûr. Vous plaît. Bonjour, si c'est la volonté de Tempus. Il n'y a rien du tout ici. Ah, peut-être. Vous êtes une bien étrange. J'en ai assez. Peut-être un passage secret. On ne veut plus. Aidez-nous. Oui, s'il vous plaît. Une tâche facile. Et maintenant, que se passe-t-il? Non, bah, y avait une tâche rien. Facile. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Des flèches, c'est une bonne chose. On va le donner à Khalid. Et maintenant, où? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez? Et on va faire chercher les pièges par Imoen. Au nom du journée idéale pour mourir. Tu cherches les pièges, je cherche également les passages secrets, en fait. Bah là, il y avait un piège. Bonjour. Ça signifie qu'on est peut-être sur la bonne piste. Oui, les pièges là. Vous êtes moi, je m'en vais. Oh putain, elle l'a pas vu et en plus ça s'est fait one shot. Pourquoi elle l'a pas vu? Vous... J'en ai assez. Bon, elle oui. l'a fait regarder plus oui, longtemps. Bien sûr. Que vous... J'en ai assez. Ah, ça y est. Oh, ok. Parfait. Ouh, il y a du monde là. Par la lame toute puissante de Valkyr. Une plébéante sur mer terre. Oh, il y a du magicien en plus là-bas au fond. Je vais lancer un silence si j'y arrive. Pourquoi? Ah, elle vient de lancer son sort. Donc on peut pas. Par la... Maintenant, je vais avoir besoin de soins pour m'en sortir. Ouah, la chaîne d'éclairs dans un tunnel. Dans un couloir. Dans des batailles justes. Ça, c'était dingue. Vous êtes une bien étrange personne. Par ici. Il y a tellement d'endroits où j'aimerais être. Au nom du bouclier de Tempus. Le serviteur de Dame Nature attend. Vos désirs sont des ordres. Par la lame toute puissante de Valkyr. Je vais me mettre en face, essayer de lancer silence. Si j'y arrive, tant mieux. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, c'est fait. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Bonjour. Oh, il y a quand même un magicien. Comment il arrive à... Alors, il a buté tous ses potes. Mais ça me plaît pas. Parce que le silence n'a pas marché. Il y a un jet de sauvegarde contre le silence. Silence. Ben non. Ah si, il y a un jet de sauvegarde contre les sorts à moins 5. Hein. Au nom du bouclier de c'est donc ça. Je ferai de mon mieux. Oui. Donc on va envoyer tout le monde. Une tâche facile. Tout le monde va essayer de défoncer le mage. Ma lame, vous... Oui, recule. C'est fait.
Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Ma lame vous coupera en morceaux. Vous êtes une bien étrange personne. On va faire ça parce que les magiciens là, au fond, les archers au fond, ils peuvent faire bobo. La lame vous coupera en morceaux. Ok. On est en train de se prendre une chaîne d'éclairs dans la gueule. Vos désirs sont des ordres. Je suppose qu'on peut pas l'attaquer parce qu'il est invisible. Voilà, il est invisible. Oui. Wow, comme c'est abusé. Ah, je suis bien embêté là. Ouais, je peux envoyer un squelette. Oui. Et nous on recule. Voilà, il y a eu l'éclair, ça c'est fait. Au nom du bouclier de Tempus. Sauf qu'il en a un deuxième. Vous êtes une bien étrange personne. Que se passe-t-il? J'ai déjà Ira, je crois qu'il peut annuler les invisibilités. Vos désirs sont des ordres. Moi, je m'en vais. Et maintenant, où? J'ai si froid. Quoi? J'ai si froid ici. Oui. C'est quoi ce magicien là? Une nouvelle victime. J'ai réussi. Ça ne s'arrêtera donc jamais. C'est avec une blessure. J'hallucine. Qu'est-ce que c'est que ce combat de merde? Au nom du bouclier de Tempus. Qu'est-ce que c'est que ce combat de merde? Je vais réessayer le silence, hein. Il n'y a pas d'autre solution. Si c'est la volonté de Tempus. Est-ce que... Ouais, il a eu silence. Oui. Là, normalement, on est bon. Donc là, il faut par contre annuler l'invisibilité. Vous êtes une bien étrange personne. Moi, je m'en vais. Et maintenant? Oui, passons aux choses sérieuses maintenant. Ma lame vous coupera en morceaux. Et maintenant, où? J'ai fait de la merde parce que j'ai annulé, en fait... le sort de Jaira. Oui. Donc, mon cœur n'y est pas vraiment. Et quand lui voilà, de toute façon quand le mage est mort, là, après vraiment c'est juste facile quoi. Oui, ô figure autoritaire omniprésente. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Passons aux choses sérieuses maintenant. Et maintenant, où? Vous avez quelque chose à accomplir? Vos désirs sont des ordres. Oui? Bonjour? Et maintenant, que se passe-t-il? Ma lame vous coupera en morceaux! Et maintenant, où? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Pour ceux qui l'ont péri! Et maintenant, que se passe-t-il? Mon cœur n'y est pas vraiment. Bien, comme quoi silence est hyper important. Et les jets de sauvegarde contre le silence peuvent nous avoir.
ramasse tout ce qui est utile, c'est-à-dire les flèches. Quoi ? Que je vais donner à Khalid. Alors, hâte, niveau 3, je vais peut-être l'écrire chez Nira, sauf si moi au niveau 3 j'ai rien de bien. Parce que hâte est vraiment quand même pas mal. Au lancement de ce sort, toutes créatures affectées voient leur vitesse de mouvement doublée. Gagnent un bonus d'initiative moins 2. Ils peuvent porter une attaque supplémentaire. Au moment de la... Je crois qu'ils sont fatigués par contre à la fin. Non. Bon, je vais l'écrire parce qu'elle a aucun sort de toute façon. Ah, c'était pas elle, c'était elle. Quel débile. Bon, c'est pas grave. Est-ce que j'ai sauvegardé ? Si j'ai sauvegardé, je vais recharger. Puis-je vous aider ? Ce qui se passe ici est tout à fait inhabituel, et je ne veux pas y prendre part. Le serviteur de Dame Nature attend. Vous êtes une bien étrange personne. J'en ai assez. Ah, je fais n'importe quoi, là. Donc j'en étais à... Regardez qui n'avait pas de sort de niveau 3, c'est Imoen. Voilà, je m'étais trompé. Donc, elle peut prendre hâte cette fois-ci. C'est bon. Toucher de la goule. Oui. Ah oui, j'avais dit c'est que... Fait. Je devais mettre qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je m'en vais. Mes têtes de trucs là dans un coffre, mais je l'ai pas fait. Oh, que des ennuis. Jamais un endroit tranquille, jamais de répit. La risée aura un piège. Moi, je m'en vais. Parce qu'ils protègent leur arrière. Leurs arrières même. Oh, des goules. Génial. Au nom, journée idéale pour mourir. Moi, ici. Et maintenant, la lame. Vos désirs sont des ordres. Non, c'est des goules. Oui. Voilà. Bonjour. Et ma une tâche facile. Vous est-ce qu'il y a des pièges ? Ça, c'est autre chose. On va monter puisque le chemin semblait nous indiquer de monter, donc ça doit être et maintenant, une tâche facile. Un raccourci. Qu'est-ce que moi ? Je m'en vais. Là, il y a un angle, alors on va s'arrêter là, voir s'il n'y a pas un piège. Oui, juste après l'angle, ça serait bien bâtard. Quoi ? J'en ai assez. Et maintenant, une tâche facile. Moi, je m'en vais. Alors déjà, il y a un truc secret. Et maintenant, où ? Oui, bien sûr. Vous et moi, je m'en vais. Eh, mais vous êtes les aventuriers ? Je me rends. S'il vous plaît, ne faites pas de mal. Je ne crierai pas, c'est promis, je veux pas mourir. Laissez-moi vivre, ne me tuez pas. Vous allez me laisser en vie, hein ? Taisez-vous. Désolé, mais tout le monde doit mourir. Vous aurez la vie sauve, mais dites-nous ce que tout le monde doit savoir. Je vous dirai tout, mon chef de vœur, niveau 4e niveau, c'est lui le cerveau. Vous allez me laisser en vie, hein ? Allez, oui, dégage. Au nom du goût, journée idéale pour mourir. Je vais laisser mes têtes ici, là, parce qu'on va certainement faire des drops et... Et voilà, c'est assez lourd. Je sais plus où j'en ai d'autres. Là, il y en a une. Et là, il y en a une. Oh, c'est plein de relous. Quoi ? S'il n'y a pas le choix. Vos désirs, journée idéale pour mourir. Oui, bonjour. Figure-toi du bouclier par la lame toute puissante de Valkyr. Voilà. Oui.
une tâche facile. Je ferai de mon mieux. Et donc en fait, soit tu prends une tâche facile. Le passage secret du fond, soit tu te prends les pièges là-haut. Pour moi, il n'y a pas qu'un seul chemin. C'est plutôt agréable. Qu'est-ce que vous voulez ? Et là, j'ai l'impression qu'il doit y avoir un passage secret aussi. Ou alors c'est juste le mur. Et voilà. Et maintenant, une tâche facile. J'en ai assez. Ah bah, il y a Slick. Okay. Oui, c'est fait. Aidez-nous. C'est qui ça ? S'il vous plaît. Ryl et Yeslik sont tous les deux là. On va laisser Ryl venir. Attendez, j'ai un doute. Ne seriez-vous pas les mercenaires qui ont causé tellement d'ennuis au trône de fer ? Oui, comment vous pouvez obtenir ça ? Je m'appelle Ryl. Je suis à la tête des esclaves. Ici, au-dessous de Bois-Monteau. J'ai entendu parler de vous, car je suis toujours attentif aux paroles des griffes noires. Il paraît que le trône de fer offre une belle somme pour la tête d'un certain Milbil Doran, c'est-à-dire vous, si je ne m'abuse. À cette présentation, le temps nous est compté. J'ai besoin de 100 pièces d'or. Le capitaine des griffes noires au premier étage n'est pas connu pour sa loyauté envers le trône. Si vous me donnez l'argent, je suis sûr que je pourrais le convaincre de regarder ailleurs pendant que je m'échappe avec les autres esclaves. Après tout, les griffes noires vont être presque tous occupés avec vous, alors... Allez, prends ton argent. Hey, qui va là maintenant ? Oh, que c'est bon de vous voir. Ou quoi ? Qui que vous soyez, j'en ai ras-le-bol de moi des bandits. Je suis resté cloîtré très longtemps, mais si vous avez une masse d'armes en réserve, je m'en servirai volontiers pour votre cause. J'ai également quelques compétences comme clair. Je suis donc à la fois le cerveau et les muscles. Par clan, le Guedin. Enfin, une occasion d'en racheter mon passé. Je peux venir avec vous. J'aurais bien aimé, je rends la place de Khalid, mais si j'enlève Khalid, ça enlève Jaïra, et puis j'ai pas vraiment envie. Vous êtes libre. Vous avez tort de refuser de l'aide, bien que cette tâche demande de prendre de grands risques. Je vous laisse, je vais vous dire comment avoir ces salauds. Ces mines ici, elles appartenaient à mon clan il y a longtemps. Nous étions juste en train d'explorer des gisements de minerais incroyablement riches lorsque nous avons ouvert une brèche dans une berge. Sont morts et ceux qui ont survécu ont laissé la mine telle qu'elle. Et voilà que l'idiot que je suis obtient un travail au trône de fer. Mon ami Rieltar apprend mon passé et me torture pour connaître l'emplacement de la mine. Présent, le cimetière de mon clan sert de vivier au trône qui démunit toute la côte de son minerai. Voici les directions pour la brèche. Des mains expertes sauront desserrer le bouchon magique et inonder les mines de nouveau. Faites cela pour moi et pour vous. Si vous êtes contre le trône de fer, je sortirai d'ici sans vous, mais je pocherai quelques yeux sur mon chemin. Et maintenant, oui, bien sûr. Parfait. Et maintenant, où ? Oui, bien sûr. Tiens, c'est verrouillé là. Moi, je m'en vais. J'en ai assez. Oui, c'est fait. À l'attaque. Non, mais venez là, bon sang. Bande d'idiots. Et maintenant, une tâche facile. Et maintenant, où ? Ma lame vous coupera. Vous êtes une bien étrange personne. Oui, bien sûr. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. On descend donc au sous-sol. On est accueilli. Oh, il n'y a pas de mage, donc vos ça devrait aller. Sont des ors. On va rush sur l'hobgoblin. Et maintenant, que se passe-t-il ? Passons aux choses sérieuses maintenant. Bonjour. Et maintenant ? Campus, accordez-nous la victoire. Passons aux choses sérieuses maintenant. Je rush le gobelin parce que si jamais Alar qui décide de tirer sur nos magiciens, oui, on serait obligé de tourner en ville ou de recharger. Et j'essaye de faire le moins de rechargement possible. Oui.
vous aider? Eh bien voilà. Toutes ces robes là qui servent à rien, je vais les mettre là, dispersées un peu partout. Il n'a plus de place du tout, mais... Pour l'instant, ouais, je vais mettre des flèches normales. Et quand il y aura un grand combat, je mettrai des flèches plus puissantes. Et maintenant, que se passe-t-il? C'est fait. Qu'est-ce que vous Alors voulez là, il va falloir faire gaffe aux pièges encore une fois. Au nom, si c'est la volonté de Tempus. Tempus, accordez-nous la victoire. Ce groupe n'est peut-être pas aussi désespéré que je le croyais. Crois-moi, je m'en vais. Et maintenant, oui, bien sûr. Vos désirs sont des ordres. Oui, passons aux choses sérieuses maintenant. Bonjour. Alors, les flèches, bon sang, qu'est-ce que c'est relou. Voilà. Et maintenant, que c'est une tâche facile. Gorion serait fier de vous. Je m'en vais. On va regarder s'il n'y a pas de piège ici. Oh, oui, bien sûr. Vous êtes... J'en ai assez. Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez? J'en ai assez. Et maintenant? Oui, bien sûr. Au nom, journée idéale pour mourir. Quoi ici? Bien, croisons, il n'y avait rien. Et maintenant? Où? Oui, bien sûr. Vos désirs. Si c'est la volonté de Tempus. Moi, je m'en vais. J'en ai assez. Oui, une tâche facile. Je retournerai voir ça après. Bon, si c'est la volonté de Tempus. Oh non, si c'est la volonté vous de Tempus. Et maintenant, c'est fait. Vos désirs par la lame toute puissante de Valkyr. Épargnez personne. Tempus, accordez-nous la victoire. Tempus, accorde. Bonjour. Bonjour. Oui. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Alors ça c'est fait. Qu'est-ce que vous voulez? Et maintenant c'est fait. Bon là il y aura la suite. Hein. On pourra certainement aller voir ce qui se trame. Quoi? Moi? Je m'en vais. Je les déteste, ces femmelettes du poing enflammé. Vos journées idéales pour mourir. Je peux vous aider. Déteste, que de vous ici, vous avez intérêt à avoir une bonne raison de m'avoir dérangé. Nous sommes ici pour affaires, nous n'avons pas besoin d'une raison. Nous sommes ici pour vous engager, pour nous engager, nous venons de la pomme de Baldur. Si on veut acheter du fer, il dit quoi? C'est pas suffisant. Ah bon, carrément. Et maintenant, où? Pour ceux qui ont péri. Bonjour, par la lame écoute, toute puissante de Valkyr. Moi, je m'en vais. Par ici. Oui, une tâche facile. Vous êtes par ici. Allez, cherche les pièges, parce que ça sent mauvais. Et maintenant, que une tâche facile. Oh non, si c'est la volonté de Tempus. Et maintenant, où une tâche facile. Je pourrais faire le tour de l'intelligence oui, de Driss avec les deux bras attachés derrière le dos. Êtes-vous ici pour rendre hommage à notre redoutable seigneur? Prononcez le nom de notre redoutable seigneur, haut et fort en prière. Hein? Vous êtes qui, vous? La mauvaise fortune de Béchaba, le soleil noir de Siric, le couteau de Baal, la main noire de Bane. Il est mort à votre tour maintenant. Moi, je sais pas ce qu'il fallait faire là. Que se passe-t-il? Pour ceux qui ont péri! Vos désirs sont des ordres. C'est pas bien grave. Journée idéale pour mourir. Encore des potions. Qu'est-ce que moi? Je m'en vais. Bonjour, par la lame toute puissante de Valkyr.
Je me demande ce que ça fait si, si on donne une autre réponse. Il est mort, je sais qu'il est mort, mais alors... Sûr. Et maintenant, oui, bien sûr. Je pourrais faire le tour de l'intelligence de Drizzt avec les deux bras attachés derrière le dos. Ah bah si. Oui, c'est fait. Je pourrais faire le tour de l'intelligence de Drizzt avec les deux bras attachés derrière Cyril, le dos. Cyril, ça m'étonnerait. Ah bon? Bon. C'est étonnant. Vous êtes une bien par ici. C'est juste pour éviter un combat. Au nom quoi. Du bout, journée idéale pour mourir. Putain, regardez-moi cet inventaire de dingue là. Je peux plus. Moi. Vos désirs par la lame toute puissante de Valkure. Que des potions. Et maintenant, que se passe-t-il? C'est fait. Bien, c'est pas grave. On va revenir ici parce qu'il y avait un truc. Un passage. Bonjour, par la lame toute puissante de Valkure. Ça mène où ça? C'est pour descendre? Oh non, c'est juste un puits bizarre. Et maintenant où? Ok, un puits de mine, bon, ok. On oui, va aller sûr. Voir là-haut. Au nom du par la lame, elle va venir, elle va soigner parce que. Ah, elle est bloquée derrière, bon, d'accord. Le serviteur de Dame Nature attend. Qu'est-ce que vous voulez? J'en ai assez! Vos désirs sont des ordres. Oui, c'est fait. Bonjour, si c'est j'aurais la volonté mieux fait de d'entrer dans l'armée. J'aurais mieux fait d'entrer dans l'armée. J'aurais mieux fait d'entrer dans l'armée. Et maintenant, que bon ça fait qui... Accordez-nous la victoire au... par la lame toute puissante de Valkure. Et maintenant, où c'est fait. Quoi? Alors là, il y a plein de coffres et de j'en trucs. Peut-être un piège, attention. Vos désirs, si c'est la volonté de Tempus. Bonjour. Journée idéale parchemin. Pour une tâche facile. I'll do it. Moi, je m'en vais. Moi, je m'en vais. J'arrive pas à le au courir. Nom du journée idéale pour mourir. Et maintenant, que se passe-t-il? On n'avait pas réussi à forcer la serrure. Est-ce qu'on arrive? Oh putain, d'accord. Passons. Et maintenant où? Essayer un peu de faire du ménage. Oui. Vous êtes figure autoritaire omniprésent. Puis-je vous aider? Vous avez quelque chose à accomplir? Le serviteur de Dame oui. Nature attend. You ready? Qu'est-ce que vous voulez? Bien, je crois qu'il fallait pas faire dodo dans cette pièce, hein. Une tâche facile maintenant, que se passe-t-il? Tiens, ça le refait à chaque vous fois. Vous êtes une bien étrange personne. Ça doit vouloir dire qu'on peut difficilement dormir ici. Puis-je vous aider? Le serviteur de Dame Nature au attend. Au nom du bouclier de Tempus. Et maintenant, où? What is it this time? Oui? Qu'est-ce que vous voulez? Bon, ça va faire pareil, hein. De toute façon, que se nos mages vos désirs sont, des ordres. Sont bloqués. Et maintenant, où? Oui? Bonjour? Au nom du bouclier de Tempus. Que se passe-t-il? Vos désirs le problème, c'est que si je redors et que ça refait pareil. Et maintenant où? What is it this time?
je m'en vais. Ma lame vous coupera un morceau. Avez-vous besoin de mes services? Aux figures autoritaires, on est présent. Au nom du bouclier de Tempus. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Que se passe-t-il? Et maintenant, où? Vous êtes une bien étrange personne. Oui. Et maintenant, que se passe-t-il? Pour ceux qui ont péri! Je vais juste finir ce combat pour voir si je redors, si ça refait pareil en fait. Et maintenant, où? C'est fait. Qu'est-ce que j'en ai assez? Je peux toujours essayer. Vos désirs sont des ordres. Si c'est la volonté de ton pour le groupe. Et ça refait pareil. Ok. Du coup, ça explique peut-être juste que c'est de la merde. Il faut dormir ailleurs. Oui. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Passons aux choses sérieuses maintenant. Allez, ça m'a saoulé. Oui, oui, bien sûr. Il faut qu'on dorme, donc. Voilà, fallait juste se déplacer un petit peu. Et maintenant, la chance. Et maintenant, où? C'est pas très agréable. S'il n'y a pas le choix. Voilà, un petit peu de place. Je peux toujours essayer. Deux types de flèches différentes, dont des flèches d'acide. C'est des flèches mordantes, ça, non? Ah oui, non, parce qu'il les a pas identifiées, d'accord. Parfait. Oui. Vous êtes une bien étrange. J'en ai assez. Et maintenant, que se passe? C'est fait. Et j'ai pas duré 107 ans, de toute façon, qu'est-ce je suis crevé. Que vous voulez? Moi, je m'en vais. Et maintenant, où? C'est fait. Quoi? Moi, je m'en vais. Juste regarder ce qu'il y a dans cette pièce, un peu plus dans cet étage. Et ensuite, on sauvegardera pour continuer une prochaine fois. Ça, c'est clos. Moi, tu m'en vais. Impossible. Oui. À vos ordres. Faudrait vraiment que Imoen prenne un petit niveau de voleur là. Voleur. Non, elle peut plus. Évolue en voleur, punaise, j'avais complètement zappé ça. Crochetage 35, ouais, bon tant pis. Et maintenant, que c'est une tâche facile. J'aurais mieux fait d'entrer dans l'armée. Blablabla. Tempus, accordez-nous la victoire. Vous êtes une bien étrange. Par ici. Bon, au moins, détection des pièges, elle est pas mal. Je suis laissé le temps. Oh non, si c'est la volonté de Tempus. Allez, encore des potions. Non. Elle a que des potions. Voilà. Ah non, elle a une robe là, voilà, que je peux mettre ailleurs. Mais sinon, elle a que des potions. C'est hallucinant. Et encore, j'ai pas donné celle-là parce qu'elle l'a pas. Celle-là non plus. Toutes ces potions, je suis. Vous avez qu'à vos ordres. J'ai même pas vu, j'ai cliqué, j'ai même pas vu.
dissipation de la magie. C'est pas mal ça. Là je l'ai pas, là je l'ai pas. Je vais éventuellement le donner à Imoen. Ça c'est fait, comme si ça va être fermé. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je m'en vais. Et maintenant, avec 35, il n'y a aucune chance. Quoi ? Par ici ! Oui, c'est fait. Oh tiens, c'est quoi ça? Besantine. Plus un au moins. Là je l'ai pas. Tant pis, c'est pas grave. Et maintenant? Oui, bien sûr. Bouclier. Un rondache. Pas mal. Rondage plus 1. Là, il a un écu. Ça change rien. Et elle, ça change rien non plus. Et Branwen, ça change rien non plus. Ne protège pas des projectiles. J'ai que du plus 1 partout. Non, lui, il est pas plus 1. Oui. Alors, attends, du coup, si je fais ça... Ah non, ça change rien. Bon. On va savoir. Et maintenant, que se passe-t-il? Oui, bien sûr. Si c'est la volonté de Tempus. En avant, marche. Et maintenant, où? En avant. Bonjour. Oui. C'est fait. En avant. Oh, pardon. Magicien, 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 crève. Et maintenant, une tâche facile. Bon, déjà, elle s'est pas mise invisible, donc... Et maintenant, on peut essayer de la spammer. Oui. Tempus, accordez-nous la victoire. C'est bon, elle a été interrompue et elle est morte. Et maintenant, que se passe-t-il? Encore une robe de mage. Vous êtes une bien de moi, tu m'en vais. Pas mal de par chaud. Mais on n'a plus de place. Hein. Voilà, on n'a plus de place quoi nulle part. Oui. On est vraiment complet. Qu'est-ce que vous voulez? Et maintenant, où? Au nom du bouclier de Tempus. Quoi? Oui. Ô figure autoritaire omniprésente. Et c'est un problème, parce que c'est méga relou. Lenteur, c'est pas mal ça. Tous ces parchemins.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Rien. Rien. Il n'y a pas un petit passage secret dans le fond, là? Oui, une tâche facile. Non, moi j'aurais cru. Vous êtes moi, je m'en vais. Vos désirs, journée idéale pour mourir. Et maintenant, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez? Par ici. Bon, si c'est la volonté de Tempus. Et maintenant, où c'est fait? Passons aux choses sérieuses maintenant. Oh, Khalid, il défonce tout là. Ah non, c'était... Ouais, Khalid, Van Wen, ok. Eh bien, puis-je vous aider ? Des flèches, pour pas tomber à sec. Un pare-chaud. Et des pierres précieuses. Et bien encore plein de coffres. Certainement être fermé. Ah non. Mourir. Rien de foufou à l'intérieur. Vous êtes une bien étrange. Ici. Là-haut, j'espère qu'il n'y aura pas de piège. Aïe, 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 ça commence à me fatiguer, là. Niveau 1. Je vais virer bouclier. Et je... Ah, putain, c'est niveau 2, mais quel débile. Je voulais prendre déblocage, en fait. Je vais virer toile d'araignée, je vais prendre un autre déblocage. Parce que je sens que je vais passer à côté de quelques trucs intéressants. Qu'est-ce que vous voulez? J'en ai assez. Le gros. J'en ai assez. Vous désirez par la lame toute puissante de Valkyr. Protection ou parchemin maudit? Moi, par ici. I'll do it. Vous êtes une... J'en ai assez. Alors, si on dort là, on se fait pas agresser, tout va bien, j'ai deux sorts de déblocage. Le premier... Oui, oui, bien sûr. Ah tiens, ils sont revenus. Ma lame vous coupera en morceaux pour ceux qui ont péri. Tempus, accordez-nous la victoire. Et maintenant, une tâche, qu'est-ce une tâche que facile. Oui, une tâche facile. Les couloirs. Bien. Alors on range ça. Voilà. Et maintenant, que se passe-t-il? On déverrouille ça. Bonjour. Avez-vous? Je peux toujours essayer. Ah, petit bâton qui a l'air sympa. Et maintenant, une tâche facile. Ah non, c'est une lance. Oui. Personne n'utilise de lance chez moi, là, donc c'est pas la peine. Que je l'identifie pour l'instant. Et maintenant, que se passe-t-il? Alors, on a vu tout ça. On n'a pas allé là et on n'est pas allé là non plus. Je suppose qu'il considère que... Oh tiens. Oui, bien sûr. Passons aux choses sérieuses maintenant. Épargnez personne. Et maintenant, une tâche facile. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Épargnez personne. Pour ceux qui ont péri. Ma lame vous coupera en morceaux. Stand back and watch this.
Oui. Donc j'en étais à me dire qu'il fallait que je vienne là pour voir. Moi, je m'en vais. En regardant s'il n'y a pas des pièges tout de même. Par ici. Des cadavres en tout cas. Maintenant, c'est fait. Ogremage. Alors, on vient me voir à l'œuvre. Assez impressionnant, non? Le type à ma gauche a crié un bon bout de temps avant de finalement rendre l'âme. Ha 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 ha. C'est du bon boulot, nous partons. Nous avons reçu l'ordre de vous faire libérer les prisonniers. Espèce d'animal dégoûtant, contrairement au misérable esclave que vous avez torturé, nous savons nous défendre. Vous êtes une bien étrange personne. Alors on va essayer. Je peux toujours essayer. Oui, bien sûr. De le punaiser avant qu'il soit trop tard. Et maintenant, que Tempus, se passe-t-il? Accordez-nous la victoire. Oui. Au nom du bouclier de Tempus. Certes, certes. Katana plus 1. Et maintenant, où? C'est fait. Il y a pas un petit passage secret dans cet endroit. Il y a tellement d'endroits où j'aimerais être. Oui, bien sûr. Quoi? J'en ai assez. Bien, et ben avant d'aller au niveau 2, on va sauvegarder. Et maintenant, où? C'est fait. Enfin, je dis ça, si vous, c'est pas du tout là le niveau 2, mais... Moi, je m'en vais ici. Je pense que c'est là. La carte est pas si grande. Oui. Vos journées idéales pour mourir. Ma lame vous coupera en morceaux. Pour ceux qui ont péri. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Et maintenant, où? Tempus, accordez-nous la victoire. Oui. Voilà. Oui, bien sûr. Et voilà. Alors ils ont complètement buggé, j'espère tâche que facile. Le c'est comme si c'était qu'est-ce fait. Qu'est-ce qu'ils font? C'est fait. Oui, pour le groupe. Alors s'ils ont buggé, on est mort parce que ah ça y est. Oui, bien sûr. Parce qu'on a besoin de tout le monde pour descendre. Tâche facile. Vous êtes une moi, je m'en vais. Et puis je peux toujours essayer. Et maintenant voilà. Tâche facile. Oui. Eh bien, c'était un court stream d'une petite heure, mais la fatigue étant ce qu'elle est, l'heure tardive aussi. On va sauvegarder, remplacer et quitter. Je vais dire bonne nuit à tout le monde, même s'il y avait peut-être une personne qui n'a pas parlé. Eh bien, tant pis. Bonne soirée, le stream.